scientifique. C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire. Les Allemands l'utilisent pour toutes leurs communications stratégiques. Tout le monde pense qu'Enigma est indéchiffrable. Laissez-moi essayer, comme ça nous en serons sûrs. Steve ? C'est de la technologie de pointe. Personne fait des trucs pareils. Bienvenue chez Apple Computer. La société Apple entre en bourse ce matin. Je vais vous poursuivre pour chaque cent volée. C'est toi qui es ton pire ennemi. Il faut que vous sachiez une chose. Je suis spécialiste d'un genre de sécurité très particulier. La sécurité du subconscient. Des rêves, autrement dit. Nous créons le monde du rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y dépose tous ses secrets. Et là, vous cambriolez le rêve. Bah, disons que c'est pas tout à fait légal. Ben Campbell était l'étudiant le plus doué. Je n'ai jamais eu d'étudiant aussi brillant que toi. Bienvenue à Vegas. C'est l'endroit au monde où ça peut rapporter le plus gros. On est à combien ? Plus 9. Plus 5. Plus 13. J'ai perdu le compte, il y a 20 cartes, mec. M'appelle pas mec. Et si on se fait prendre ? Compter les cartes n'est pas illégal. On la joue profil bas et on guette le signal. Bras croisés, la table est bonne. Wow ! Ça y est, je le tiens ! Non, continue, s'il te plaît, cette vidéo n'a pas de prix. Ce jeu est un puits sans fond. Après seulement 4 coups, il y a plus de 300 milliards de possibilités. Ça vous pousse à bout. Qui lui a montré tout ça? Il a appris tout seul. Je peux vous assurer qu'il a un potentiel immense. J'ai beaucoup de mal à entrer en contact avec les autres. Le test est positif. Nathan présente des troubles autistiques. Mais c'est un jeune homme unique. Comme je ne parle pas beaucoup, les gens pensent que je n'ai rien à dire. Mais ce n'est pas vrai. J'ai énormément de choses à dire. Ça roule ? Qu'est-ce qui roule ? Je sais que je suis différent des autres. Dans les bas-fonds de New York, il y a des malfrats, des tueurs et des policiers corrompus. Mais aujourd'hui, la personne la plus recherchée de la ville est une fillette de 12 ans. Dis-moi ce que ces hommes te voulaient, petite. J'ai une mémoire photographique. Ils m'ont montré une longue série de chiffres. Est-ce que ces chiffres avaient quelque chose de particulier? Ce sont pas des chiffres au hasard. Il y a une séquence. C'est un code. Help me if you... Cette fois, c'est la guerre.